Je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai décidé qu'on allait aborder le sujet du coaching. Pour remettre les choses un petit peu dans leur contexte, j'ai commencé l'équitation quand j'avais 3 ans, j'en ai maintenant 24, ça fait donc 21 ans que je monte à cheval, enfin plus précisément à poney puisque j'ai jamais vraiment monté à cheval, j'ai passé toute ma vie sur des poneys en fait. Tout ce cheminement de ne pas avoir de coach vient d'un premier fait qui est que j'ai eu mon poney dans mon jardin il y a maintenant 4 ans. On est donc passé d'être dans une écurie de propriétaires à avoir mon poney chez moi, dans mon jardin, sans infrastructure, sans moyen de transport. Déjà, ça met le contexte, c'est que bah, du coup, c'était difficile de faire venir un pro, un coach chez mon papa, puisqu'on n'avait pas de carrière, pas d'obstacles, pas vraiment d'endroit où travailler, et à côté de ça j'avais pas de moyen de transport, donc me déplacer en écurie, sachant qu'en plus de ça on a déménagé quand même assez loin des écuries où j'étais précédemment avec mon ancien coach, le fait que j'avais pas de moyen de transport, ça rendait les choses très compliquées, et en fait je suis simplement partie du constat que au moment où Soleil il est arrivé chez moi dans mon jardin, j'avais 16 ans d'équitation derrière moi, donc je me suis dit à ce moment là pour faire ce qu'on va faire, c'est-à-dire rester sur du plat, de la balade, de la prom-prom, quoi, je pouvais très bien m'en sortir toute seule. À la base des bases, c'est principalement cette situation qui a constitué le fait que je ne sois plus encadrée et maintenant que 4 années sont passées, maintenant qu'on a à nouveau des infrastructures, à nouveau des obstacles, qu'on est parti faire une saison de concours complet, qu'on est parti à la motte, tout ça, c'était tellement pas prévu quand Soleil il est arrivé dans mon jardin. Ça a juste renforcé mon sentiment de « je n'ai pas besoin d'avoir un coach pour faire ce que j'ai envie de faire avec mon poney ». Et je vais vous expliquer tout ça plus en détail tout de suite. Petit aparté aussi dans cette vidéo, je n'ai aucune rancœur, aucune colère, aucune malveillance envers 3 coachs qui ont vraiment marqué ma vie, que ce soit la mienne ou celle de Soleil, qui nous ont bien évidemment appris quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et je pense à Jean-Paul qui nous a fait une semaine de coaching avant la motte en 2019. J'y reviendrai plus tard. Bien évidemment, il y a trois grandes personnes et je pense que ces personnes-là se reconnaîtront puisqu'on est encore en contact maintenant envers lesquelles je ne suis que gentillesse et positivité. Lorsqu'on était en écurie avec Soleil, on a d'abord commencé du coup par être dans une écurie poney club, comme je vais l'appeler, dans laquelle j'ai fait du coup des courts compétitions quand j'étais plus jeune. Et ensuite, j'ai eu mon poney, j'ai continué à faire ces courts de collectif du coup avec l'équipe compète, donc avec des personnes qui étaient propriétaires de leur poney et des personnes qui montaient des poney club. C'était des cours où on était 10 ou 12 je dirais, et en fait c'est un programme donné, on fait tous la même chose, si on enchaîne on enchaîne, si on fait une ligne on fait une ligne. Bref, en gros, des cours collectifs en écurie, comme un peu ce que tout le monde connaît, je pense. Et c'est à partir de ce moment-là où en fait ça a mal commencé mon expérience avec être propriétaire et être coachée. J'ai le souvenir très précis du jour où j'ai décidé d'arrêter d'être coachée en écurie. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, du coup, on faisait un cours collectif et dans l'exercice, on avait faire un triple saut de puce, donc saut de puce, saut de puce, saut de puce. Et en fait, on est passé peut-être 2-3 fois dessus avec Soleil et à chaque fois, elle s'arrêtait sur le deuxième saut de puce. Il faut savoir qu'à ce moment-là, ça faisait même pas 6 mois que j'avais Soleil. Lui, il avait même pas un an de débourrage derrière lui puisqu'il a été débourré très tardivement. Et moi, je considérais que lui faire faire un triple saut de puce, c'était franchement trop pour un poney qui finalement débute vraiment sa carrière à l'obstacle. En fait, ce jour-là, j'ai simplement pété les plombs. J'avais du coup 14 ans à ce moment-là. Ouais, j'avais 14. 15, bon bref, j'étais quand même assez jeune, j'étais dans la fleur de l'âge de la rébellion, et en fait ce qui s'est passé c'est que je suis tout simplement descendue du poney, donc on n'a jamais passé ce triple saut de puce, on ne l'a jamais passé, il s'est toujours arrêté sur le deuxième, et en fait il n'était pas question de changer l'exercice, il n'était pas question de enlever une barre pour que le poney le fasse mieux, non, c'était on va aller planter ton poney, quoi qu'il arrive, tout le monde le fait, pourquoi le tien ne le ferait pas.
Et moi ça m'a fait vriller, ça m'a non, c'était hors de question. Je suis descendue, j'ai pris mon poney, je suis sortie du manège, je n'ai plus jamais mis un pied dans un cours collectif de cette écurie. Plus jamais. Donc déjà à ce moment-là, j'ai arrêté de monter en étant encadrée pendant un an. Puis s'en est suivie une escalade de choses toutes plus ahurissantes les unes que les autres dans ce club. Et j'ai pris soleil, j'ai fui. J'ai fui très très loin. Et on est parti du coup dans une autre écurie. On a franchement eu la chance d'atterrir dans une super écurie avec un très très bon coach. On faisait du coup un cours de saut, un cours de dress. C'est plus ça que j'appelle du dress à l'heure actuelle, mais bon, c'est pas grave. Mais en gros, on était dans une écurie avec beaucoup de cavalières poneys qui tournaient en tournée des As, en As Elite Grand Prix. Bref, on était parti chez un super coach d'obstacle. On précise, d'obstacle. L'idée, l'objectif, le fin mot de l'histoire, c'était que Soleil et l'AFR du Grand Prix en CSO. Donc c'était à base de cours d'obstacle mercredi où on sautait, on enchaînait principalement, cours de dressage, ce que je ne considère plus du tout comme du dressage à l'heure actuelle, le vendredi soir où on faisait des barres au sol et des cavaliti. Voilà, bon moi c'est plus du tout ce que je considère vraiment comme du dressage maintenant. On a pris des cours de manière du coup très 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 régulière et il n'y a eu strictement aucune progression, aucune, zéro. Pourquoi ? Je ne saurais pas vraiment dire la raison, mais il n'y a pas eu de progression. J'ai appris des choses, j'ai appris énormément de choses, Soleil a appris énormément de choses. Quand je parle de « il n'y a pas eu de progression », c'est qu'il n'y a pas eu de progression sur les résultats en concours. C'est-à-dire qu'on enchaînait quand même les strikes, on enchaînait les parcours bowling. Il n'y a pas eu de résultats visibles sur la feuille de la FFE, vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, la vie a fait que j'ai dû laisser Soleil au père à cette écurie, à ce coach, puisqu'il y avait un tout petit poney club et j'ai décidé d'y mettre Soleil. Enfin, j'ai décidé. Mon père m'y a fortement obligé puisque j'ai redoublé ma seconde et qu'ensuite je suis rentrée en première. Et bref, j'avais déjà du coup des difficultés dans certaines matières que je ne citerai pas. Les mathématiques en cours et du coup bah pour me concentrer principalement sur le lycée etc sur les cours on a fait le choix de laisser Soleil au père mais il était inconcevable pour nous qu'on le vende et mon papa aurait pu prendre la décision de le vendre puisque Soleil lui appartient sur les papiers et mais il l'a pas fait parce qu'il l'aime trop Soleil du coup on l'a laissé au père au poney club et donc pendant 3 ans moi j'ai finalement arrêté de monter. Donc j'ai fait ma première, ma terminale et ma première année de fac en venant monter Soleil un dimanche toutes les 2 semaines à peu près où clairement, juste pour kiffer, on faisait principalement de la balade ou un peu d'obstacles. Mais voilà, lui, il vivait sa petite vie de poney club, c'était le petit chouchou des débutants. En même temps, vous voyez très bien comment est Soleil, mini Léa, Soleil, vous voyez un peu la gentillesse du poney avec les petits et c'était très très bien pour lui parce qu'il travaillait quand même assez peu. C'était vraiment, c'était une top écurie, un top poney club, c'était trop trop bien, je pouvais pas rêver mieux et merci beaucoup d'avoir pris Soleil pendant ces 3 années parce qu'il a été tellement bien et j'en suis très très contente. Ensuite du coup mon papa m'a appelé un beau matin en me disant on déménage, on emmène Soleil avec nous. Ah ok. Donc on a pris Soleil, on l'a emmené dans le jardin. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai récupéré Soleil. Et à partir de ce moment-là, c'est du coup la décision de ne plus avoir de coach puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'avait pas les infrastructures pour qui s'est amené à moi. Et moi, j'étais juste contente de retrouver mon poney. J'avais aucun objectif de concours puisque, encore une fois, de toute façon, j'avais pas de moyens de transport. J'avais pas envie d'aller en concours, je savais que le saut d'obstacle, on y a passé quand même 3 ans et quelques à travailler dessus en écurie, les résultats n'ont jamais été là, on a été encadré, on a été coaché, on a été... Voilà, les résultats n'ont jamais été présents et donc pour moi le saut d'obstacle de toute façon c'était fini et je, dans ma tendre jeunesse, je ne jurais que par le saut d'obstacle. Donc voilà, c'était balade, prom, machin, plus besoin d'avoir un coach, j'ai quand même 15 ans, à cette époque-là, j'avais quand même 15 ans d'équitation derrière moi, j'avais mon galop 5 depuis belle lurette, bref, pour aller promener mon poney et le travailler un peu comme ça à la wall again, ça le faisait très très bien. Et puis un beau matin, j'ai rencontré Madame Mareva, suite M Project, et je me suis dit, mais en fait, Soleil, concours complet,
ça pourrait grave le faire kiffer. Et moi aussi. Et puis on est parti faire notre premier concours complet, sans préparation, sans avoir vu un seul cross de toute sa vie, sans avoir vu un tronc. Enfin, incroyable, incroyable. On part faire notre premier concours complet en septembre 2018, sans coach, sans avoir vu une seule fois une carrière de dressage de notre vie, sans avoir vu un cross de notre vie, sans avoir sauté réellement depuis des mois. Et on finit quatrième, je crois. Et voilà, il est sans faute sur le cross, il fait, je crois, 4 points sur le CSO, et on fait un très très bon dressage pour notre tout premier dressage. Et en fait, à ce moment-là, je crois, je me suis dit, mais on n'a pas besoin d'un coach. Genre, on a pas besoin d'un coach. T'es incroyable, mon poney, t'es incroyable. Bref, on s'est dit, vas-y, on en refait un autre, puis un autre, puis un autre. Et puis on est parti à la motte en 2019, du coup. Et en fait, cette année-là, les seules personnes qui m'ont encadré, qui m'ont conseillé, qui m'ont appris des choses, c'est mes amis. C'est du coup Mareva pour tout ce qui est un peu sur le cross. Et Amandine, une autre copine que vous voyez dans la vidéo de la motte, qui elle, du coup, était cavalière de dressage et m'a beaucoup, beaucoup conseillé sur tout ce qui est dressage. Elle venait des fois à la maison, elle me donnait des petits cours, mais on n'était pas du tout sur du coaching. On était sur une relation de j'ai mon ami qui est à pied, qui me regarde et qui me dit vas-y, teste ça. J'ai aussi le fait que c'était des copines, des filles en l'occurrence en plus, elles ont pu monter soleil, elles ont pu voir comment était le poney, elles ont pu comprendre son fonctionnement avant de me dire mais fais ça comme ça et que je suis là, non, non, c'est pas comme ça, il marche pas comme ça, ça va pas comme ça. Et je pense que dans le fond, c'est ça qui me manquait principalement avec les coachs que j'ai eus, c'est que c'était des hommes grands et que monter sur soleil, c'était pas possible pour comprendre comment il marche. Il est extrêmement particulier, soleil, dans son fonctionnement, et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut bien comprendre. Il est très 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 particulier. Et à ce moment-là, bien sûr que je me suis posé la question de prendre un coach, évoluer, aller sur de plus grosses épreuves, peut-être faire du CSO, parce qu'au final, pendant nos CCE, on a réussi à sortir plusieurs sans faute en CSO. Et donc, c'est là qu'a commencé tout le cheminement de la remise en question, de toutes les fois où on échouait, où je me questionnais, où on réussissait et on rééchouait, je me questionnais et on réussissait. Et c'est comme ça qu'au final, tout a évolué et que je me suis juste dit, en fait, non, Léa, t'as, avec Soleil, déjà, t'as rien à prouver à personne. J'ai pas d'objectif avec Soleil, je le dis tout le temps, mais j'ai aucun objectif de résultat, de... Je rêve pas de gloire avec lui, moi je veux juste être avec mon poney, il a pris 16 ans cette année maintenant, on sera jamais des as en CSO, on sera peut-être des as en club 1 CCE, je sais pas, mais je sais que pour ça, on n'a pas besoin de plus, il sait ce qu'il a à faire, je sais ce que j'ai à faire pour lui, pour qu'on soit bon à ce niveau-là, dans cette discipline-là, le concours complet, et voilà, et en fait, ça s'est fait sur des années, cette idée de on pourra pas faire plus, et je pense que c'est très particulier, et c'est extrêmement lié à Soleil, et le fait qu'en fait, je me suis fait à l'idée que c'est pas dans ses moyens d'aller sauter 110 en CSO et faire sans faute, et voilà, et c'est comme ça, c'est la vie. Faut savoir aussi que maintenant, je peux faire le choix d'avoir un coach, j'ai une carrière, j'ai des obstacles, je peux faire déplacer quelqu'un, j'ai mon vent, donc je peux me déplacer moi-même. J'ai pas envie. J'ai pas envie. C'est fou. J'ai pas envie. Je suis bien, on est bien, on est dans notre bulle. Je me sens mieux, moi, à être seule plutôt que mal accompagnée, comme on dit. Ça n'empêche que j'ai quand même rencontré des coachs qui étaient quand même super. Enfin, en tout cas, peut-être pas super pour mon couple avec Soleil, mais qui étaient en tout cas des humains très bienveillants et très gentils. Et encore une fois, ils se reconnaîtront. Mais voilà, et quand je dis ça, je pense notamment à Jean-Paul, que vous avez vu dans la vidéo du stage avant la motte. Malheureusement, Jean-Paul, il habite loin. Ses écuries sont
trop loin pour qu'on s'y déplace de manière régulière et trop loin du coup pour que lui vienne jusqu'à nous. Donc voilà un petit peu tout le cheminement de l'histoire, mais ce qu'il faut retenir c'est quand même qu'avant ça j'avais 15 ans d'équitation en étant encadrée par des moniteurs, des monitrices, des coachs, en étant cavalière de club, cavalière propriétaire. Voilà, je suis pas partie de rien à me dire vas-y, wall again, beast to fly, je suis débutante mais je commence comme ça. Non, j'avais quand même en soi des bonnes bases dans mon équitation. Maintenant, pour répondre un peu plus précisément à vos questions, on m'a demandé si je trouvais que j'avais progressé depuis que je ne suis plus encadrée, et sincèrement, j'ai jamais autant appris que depuis que je monte seule, mais parce que je me suis ouverte à une discipline qui est le concours complet que aucun des coachs que j'avais ne me proposait dans les écuries dans lesquelles j'étais, parce qu'à ce moment-là, j'étais focus CSO. Mais je me dis, si j'étais peut-être jamais partie, si je n'avais jamais eu soleil à la maison, si j'avais gardé la possibilité d'être encadrée, etc., je serais peut-être jamais sortie du CSO. Avec des si, on refait le monde, bien évidemment. Mais j'ai appris des choses en montant seule que je n'aurais jamais appris avant. Mais même des trucs tout simples, genre ressentir que mon cheval, il engage, faire une incurvation, une contre-incurvation, c'était des choses qu'au final, je crois que je ne savais même pas faire et que j'ai appris toute seule en apprenant à faire mes reprises de dressage seule. Forcément oui, j'ai fait des erreurs dans mon équitation au début pour le mettre en place droite gauche, genre je savais pas, enfin on m'avait jamais appris à mettre soleil en place en 4 ans d'écurie, et ma premier réflexe, tu dois dérouler une reprise de dressage faut que ton cheval il soit un peu rond, droite gauche, bah non. Et maintenant c'est des trucs, quand je revois certaines de mes vidéos, je suis là mais oh mon dieu, bah non, c'est pas possible. Mais voilà, donc au final je trouve moi que j'ai beaucoup, j'ai tellement plus appris en montant seule qu'en montant en étant encadrée. Et en fait ça m'a permis de me remettre tellement de fois en question sur tellement de choses, et le fait de filmer beaucoup de séances, beaucoup de séances, de me voir à l'image, de me dire pourquoi ta main gauche elle est là, pourquoi ta main droite elle est là, ça va pas. Ça m'a permis de me rendre compte de tous mes défauts au final, de tout ce que physiquement je trouve pas beau à l'image. Je me dis bah non, ça va pas, il faut que tu corriges ça. Là ton poney il est carrément pas droit, ça va pas. Enfin il y a plein de trucs qu'on corrige de cette manière là. Je pense que pour conclure, on peut dire que c'est vraiment quelque chose qui est 100% propre à chacun. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas encadrés comme moi et qui le vivent très bien. Il y en a beaucoup qui ne sont pas encadrés et qui aimeraient l'être. Il y en a beaucoup qui sont encadrés et qui ont besoin de l'être. Et c'est vraiment bah, finalement propre à l'être humain d'avoir ses propres avis, ses propres opinions et ses propres ressentis. Et moi, mon ressenti, c'est que à la fois, on n'a jamais autant évolué avec Soleil que depuis que je me débrouille seule avec des amis qui viennent voir. Bien sûr que j'ai des copines qui viennent et des fois elles me disent « Léa, ta main, Léa, machin. » Et c'est cool parce que du coup ça me permet d'avoir un œil extérieur. Mais au moins, j'ai personne qui est là à me hurler dessus comme du poisson pourri, à me faire chialer, à me donner envie quand j'avais 8 ans de préférer zapper un cours d'équitation plutôt qu'être privée d'ordinateur parce que je ramenais un 5 sur 20 en maths. Et c'est vraiment arrivé cette histoire, hein. Je préférais me faire priver de cours d'équitation quand j'avais 8 ans plutôt que être privé d'ordinateur, tellement au final à l'équitation c'était plus du tout du plaisir parce que je savais qu'on allait me gueuler dessus à la moindre barre qui allait tomber par terre. Je suis juste tellement fière de me dire bah, au final j'ai fait mon poney toute seule et maintenant il a 16 ans et on s'éclate dans ce qu'on fait. Voilà, je suis juste contente et bien sûr peut-être qu'un jour avec un autre cheval, poney, âne, je ne sais pas. Non mais voilà, cette réflexion, elle peut toujours évoluer, et bien sûr qu'un jour, peut-être, je me sentirai le besoin d'être encadrée régulièrement. Et après, il y a des fois, comme il y a 2 ans, comme je l'ai fait pour aller à la motte, aller faire 4 jours intensivement, etc., pour remettre bien les choses en ordre, bien les bases, et voilà. Mais la conclusion, c'est que je suis trop bien toute seule, et que ça me va trop bien, et que Soleil, ça lui va très bien. Je le vois. Écoutez, c'est la fin de cette longue vidéo. Si jamais vous avez plus de questions, mais en soi, je pense que j'ai quand même couvert un assez large spectre de la grande question de pourquoi je ne suis plus encadrée, n'hésitez quand même pas à les poser dans les commentaires. Si jamais vous voulez me raconter aussi vos expériences avec le coaching, si vous trouvez ça absolument indispensable pour vous, ou si au contraire vous avez été plutôt déçu, ou X ou Y chose, n'hésitez pas. C'est disponible, allez-y, faites-vous plaisir, écrivez, je vous en prie, je vous lirai. Mais voilà, en tout cas, il faut juste retenir que
quoi qu'il arrive, les décisions qu'on prend dans la vie, c'est propre à chacun. Et je vous demanderai juste de ne pas juger ça. Et si vous trouvez que je monte comme une merde et qu'il aurait fallu que je continue à être coachée, et ben écoutez, grand bien vous fasse. Voilà, c'est le mot de la fin. Mais n'oubliez pas, remettez-vous en question, c'est très très important. Gros bisous tout le monde, je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!